Comme mon père disait toujours, il y a deux sortes de choses en ce bas monde. Ce qui te tue... C'est long. Ouh... Ce qui te rend plus fort. Ok. Ce qui te tue te rend plus mort. Ah mais je cache pas tout, cache pas tout, arrête. Cinématique. Au père, ce héros. Le père était très très fort. Il y a un scénar et tout, quoi. Je vois. Salut YouTube, hein, d'ailleurs. Excuse-moi, mais je... Il y a une cinématique dès le début, j'ai pas le choix. Il disait souvent... qui ne tue pas... Oui, non, mais ça, ça on sait. Non. Te rends plus fou, mais... C'est... Non, mais... Vraiment. Quoi? Attends, mais je suis pas prêt là! Salut YouTube, ça va? Ah non, mais. Ah, mais c'est... on joue papa! On joue pépé! Oh non, de Zeus! Mais j'étais pas prêt! Bon, salut YouTube! Bienvenue pour la. Attendez! Oh le jeu! Le jeu qui commence direct! Le jeu qui commence direct! Il y a une cinématique. Ah, je vous promets, YouTube, j'ai lancé le jeu, il y avait une cinématique. Bon. Du coup, j'ai relancé le jeu. Enfin, j'ai testé hier. J'ai même pas fait les options, rien du tout. La violence du start. Cette phrase est si débile. Oui, surtout qu'il a dit deux fois en plus. C'est terrible. C'est où? Ah putain, je l'avais pas noté ou quoi? Il est où, Fatal Zone? Ah non, mais j'ai fait... Je suis une chèvre? Ah merde, je sais pas qui c'est qui a fait le jeu. C'est bien noté quelque part. Mais je suis une quiche. Ah merde. Eh ben voilà. Bah bon, regardez la description, ça doit être écrit hein. Ah désolé hein, désolé les devs. Développement Mid-Art Game Edition. Ah oui c'est 101 XP c'est vrai, merci Morty. Ouh heureusement on a une modération de qualité. Ça fait plaisir. Bon j'espère que tu vas bien YouTube en tout cas. N'hésite pas à mettre... un petit... Non, c'est pas encore. Calme-toi. Alors. On avait déjà testé la démo, rappelle-toi. On avait déjà testé la démo et... Ce qui ne te tue pas... Te rend plus fort, hein. D'accord? C'est noté? Ah, c'est bien. Jeu en accès anticipé, tout à fait. Le jeu est sorti en accès anticipé... Le 23 octobre 2023. Nous sommes le 24. Formidable. On est dans l'air du temps. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé, j'imagine qu'il y a plus de choses, on peut aller plus loin que les trois niveaux d'amélioration, bref, vous verrez, c'est un jeu de gestion, un jeu, bon, d'abord un Vampire Survival-like, évidemment, hein, on va pas se mentir, c'est d'abord ça, mais pas que, figurez-vous, pas que. Augmentons les dégâts, je mets que 2, j'ai augmenté les dégâts et on met que 2, qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aurais peut-être dû prendre un petit lance-grenade, là, j'ai l'impression de faire des dégâts de... des dégâts faméliques. Hein. C'est un jeu de gestion aussi parce que on doit gérer une base. On va faire des sorties pour essayer d'aller, voilà, comme papa, d'aller de trifiler des zombies histoire d'aller chercher des ressources. On est à la recherche des ressources. On veut des ressources. Les zombies peuvent être rapides, bougez-vous. Et tu veux que je me bouge où? Parce que pour l'instant, ils sont pas très très rapides. Hein. Ah si, d'accord. Ils ont pas trop de vie, eux, je crois. Ok. Ah, on va prendre un petit lance-creux, là. Ça faisait des petits dégâts de zone, là, c'était pas mal. Ah oui, c'est vrai que les arbres, on passe pas à travers. Hein. C'était pas du décor, hein. C'est pas que du décor. Je prends l'XP. Hein. Ah oui! Les caisses peuvent contenir des ressources et des boosters. Récupérez les ressources pour améliorer votre base. Oui, c'est le but, hein. Rappelez-vous. Ah, les petits kunai. Vas-y, à vitesse de déplacement, là. Je l'ai marre de me traîner.
I'm done. Misogyne, mais pourquoi? Alors que Papou a trébuché sur un arbre. T'imagines? Oh là là. Il est mort, la tête coincée dans une grille d'arbre. Ça me rappelle quelqu'un. Non, pas comme ça, Papou. T'es ridicule. Bon, je vais me balader un peu. Mais partez pas, hein. On rigole bien ensemble. Lance-grenade. Plus de dégâts du lance-grenade. Vas-y, j'ai envie de pouvoir me mouver. Je vais plus vite que vous. On fait la course. Ok. Bah, j'ai gagné. Vous êtes s'occuper de lui, un moment donné. J'ai bien aimé la démo, en vrai. Le signe que c'était le cas, j'y suis retourné. Oula, oula. Calmez-vous bien, là. Mais... c'est moi ou j'ai des kunai, là? J'ai pas pris les kunai, j'ai pris la vitesse, non? Ah non, je me disais, je me bouge pas plus vite, mais c'est normal. J'ai cliqué sur les kunai, j'ai pas fait gaffe. T'as dit famélique. Ah. Eh merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 19, quoi? 8, 7, 6, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ça? 3, 2, 1. Prêt, terminé. Ok. Ah, c'était bizarre ça. Hein. Mais je crois que sur la démo, il y avait eu un truc pareil. Vous aviez pas vu parce que c'est quand j'avais lancé le jeu pour la première fois. Je m'étais fait avoir. Tuer un zombie, tenir pendant une minute, utiliser super aimant une fois. Mais c'est complètement con de faire des trucs comme ça que tu vas forcément débloquer dès le début. Et comme s'il servait à rien les trucs. Niveau 5. Quitté. Ok. Est-ce que ça a gardé le... notre progression? Ah oui, ça a gardé notre progression, regardez. Incroyable, la progression de la démo. Ah bon? Ah bon, ah bon. Ok, ok. Bon, bah c'est pas grave, hein. C'est bien, comme ça au moins on... C'est une visée auto, ouais, c'est une visée auto. En rappelant que le jeu est à 4.22 sur Steam, à 4,22€ sur Steam, et qu'il y a une démo et la version Outbreak tout à fait gratuite. Tout à fait. Ce qui est pareil, hein, la version démo, la démo classique et la Outbreak, c'est la même chose. En vérité, je sais pas pourquoi ils en ont fait deux. J'ai pas trop compris. Faites des raids pour débloquer. Comment ça? Atelier d'armes. Ah non, c'est pas vraiment débloqué en fait. Ah non, pas du tout en fait. Ah, c'est marrant parce que... Mais j'ai pas gagné tout ça en un raid. Ah, c'est bizarre. Ah non, pas du tout, la progression n'a pas été maintenue. Mais il me semblait bien qu'ils avaient laissé ce message là. Mais bon, écoute. Il y a Bradley. Alors, ah oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a plusieurs types de personnages. Il y a des personnages, il y a des survivants qui a un raise. Et le vétéran, lui, il a une régénération de PV, de base. Attends, lui, il a quoi comme arme déjà? Et là, oui, la mitraillette que j'aime pas trop d'ailleurs. Je préfère encore la... Je préfère encore celle-là. Vitesse de rechargement, moins 5%. Ok. De la pas mal avec de la gestion en plus, même si ça fait un peu jeu mobile. Bah, je pense, ça ne m'étonnerait pas que ça soit un jeu mobile à la base. Mais bon. Du coup, il y a vraiment une gestion du hub. Et tu peux aussi recruter des personnages, sachant que si ton perso là, que tu montes, il meurt dehors, il est mort. C'est définitif. Un peu à la Darkest Dungeon, tu vois. Je puis créer, autant pour moi, je me pardonne. C'est très bien, tant mieux. Il faut être sympa, il faut être bienveillant envers soi-même. Moi j'irais bien, je prendrais bien lui là, avec la lance, j'avais bien aimé. Je vais recruter Vic. Et donc du coup on peut avoir 3 mercenaires et après améliorer aussi pour avoir plus de... Améliorer le portail permet d'accéder à encore plus d'endroits, ok. Comment on l'améliore? Ah, 1200, ah, j'ai pas du tout assez. Annule aide. Améliorer le QG augmentera le nombre maximum de mercenaires que vous pouvez engager en même temps. Et vous permettra d'améliorer d'autres bâtiments. Ok. Je t'améliore, Michel. Waouh. On peut l'améliorer encore un peu? Donc là, je peux maintenant avoir 4... Bah, vous voyez pas, pardon. Je peux maintenant avoir 4 mercenaires. Donc le but est de ramener le plus de ressources possible et de faire tourner un peu la boutique, quoi. Je peux rafraîchir? Vas-y, je me rafraîchis. Est-ce qu'il y a des armes différentes? C'est quoi, ça? Ouais, c'est toujours pareil. Bon. On les a déjà, quoi.
un revive pour lui. Ah, et ça, on peut l'augmenter ou pas? Améliorer au niveau 2. Ah oui, carrément, ben oui. Ça fait quoi? 500? 840? Non, on peut pas là. Améliorer d'abord votre QG. Oh, again, a bit so far, yeah. Pas assez de ressources, ok. Bon, ben voilà, ça, ça veut dire cassez-vous. Cassez-vous bien. Et allez faire une petite sortie avec Vic. Allez, let's go. Les jeux mobiles sont pas si mal, hein. Le problème, c'est que souvent, c'est des gachas avec un système d'énergie. Oui, bah là au moins, il n'y a pas ça. Ça qui est bien, il n'y a pas cette feature-là assez relou. Pas se mentir. Ouais, mais ça attaque tous les 1000 ans. Ah, ça attaque devant moi en plus. Ah, ok. Attendez, faut que je m'y fasse. Et je peux pas orienter? Il peut pas se tourner à 360 degrés pour taper? Ça, c'est pas, quand même pas pratique. Alors, je pense qu'il faut vite prendre une autre arme. Hein. Genre le petit lance-greux, je dis pas non. Après, par contre, hein, si on les a bien stackés, c'est un plaisir. Hein. Merde, je me suis retourné au mauvais moment. Tchac! Ok, la lance. Plus de... Comment ça, deux lances? On a deux lances? Mais... Merde. Pas, il a de la régène. Ah, mais ça, c'est derrière moi maintenant. Derrière moi, tout ça. Ok. Bon, peut-être que... Accorde la défense supplémentaire. Peut-être pas rester au milieu comme un teuteux, quoi. Alors, attendez. C'est quoi? Il y a des améliorations aussi d'armes. On peut avoir des armes évoluées. Par contre, je sais pas. Il faut avoir les deux, mais... Est-ce qu'il faut avoir les deux au max? Il faut juste avoir l'arme au max et avoir ça. Manuel d'Evo. Ok. Le lance-grenade, il évolue pas? Ah non. Ouais, faut le découvrir. Ouais, je sais pas. C'est bien qu'ils aient mis ça dès le départ, ouais. Je crois que j'ai dit exactement la même chose la dernière fois. Il n'y a pas de boutique sur le jeu? Je crois pas. Je crois pas. En fait, tu recrutes des gens et ils ont des armes spécifiques à chaque fois. Mais peut-être que tu peux les changer. Je sais pas. J'ai pas vu, en tout cas. Qu'est-ce que je veux? En vrai, dégâts physiques, 10%. Pourquoi? Je dois avoir la souris pas loin là, non? Vitesse déplacement? Vas-y. J'aime pas me traîner. Donc, on doit récupérer le maximum de ressources. Ok. Ah, oh, ils vont vite. Ils vont plus vite que tout à l'heure, non? C'était sympa tout à l'heure, ouais. Voilà, doucement. Je régène, mais... Pas non plus... Hop là! Hop là! Est-ce que je fais autant de dégâts derrière que devant? Je sais pas. Pas trop. Faut que je revienne derrière moi, là. Il y a beaucoup de ressources par terre. Augmente la rayon... Le rayon d'attraction des objets. Oh, vas-y, on va prendre un peu de dégâts. Tout loot. Merde. Pas évident de viser, par contre. Ouais, bon, faut faire gaffe, quand même. Mais... Ah, évacuation. Du coup, voilà. Toutes les 2 ou 5 minutes, parce que je me souviens bien, si on améliore un des bâtiments disponibles au QG, au quartier général donc, pour les Frenchies, on peut... Ah, attends, mais... C'est pas juste devant et derrière, alors? Si, pourtant. Peut-être c'est quand je tourne. Je sais plus trop où est le devant, le cul et la tête. Donc on peut... Il lâche rien, il y a un boss, il lâche rien. Je crois pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais plus. La vitesse. J'aime bien la vitesse. Donc oui, on peut sauver des gens. Donc toutes les 5 minutes, à moins en tout cas, il y a un hélicoptère qui arrive. Il faut vite aller le rejoindre pour qu'on puisse essayer de... Pour qu'on puisse essayer de le sauver. Sinon, il meurt pour forever.
Tu veux dire qu'on ne peut pas changer la couleur des persos pour la modique somme de 0,50€ par élément de skin, ça dégoûte. Ah ouais, je suis désolé pour toi. Je sais que tu accordes beaucoup d'importance à ça. Désolé, Rustique. Je te frustre là ce matin, dis donc, hein, c'est le stream de la frustration pour toi. Et oh, partez pas là. Aïe. Ok. Oh, et tu régènes un peu là? C'est ridicule. Tu es ridicule, Jean-Jacques. Ah, c'est un aimant ça, oui, c'était ça l'aimant. Ah, l'épée de Max. Incroyable. Et du coup, ça va avec l'évolution du. De la lance. Du coup, on va rush la lance, hein. Je rush la lance. J'essaie de pas mourir aussi, ce serait pas mal. Ah, c'est un quarterback. Un spécialiste du football américain, incroyable. Bah, par exemple, il a bugué le jeu là. Eh, des fois il tire pas derrière moi. Ah là, il a mis doublette. Mais pourquoi les boss ils lâchent rien quoi? C'est nul ça. C'est une amélioration ou quoi? Et je sais pas s'il y a une fin naturelle à la run ou si on peut tenir 1000 ans comme ça. Rien d'action. Plus de PV. Ouais, je dirais plutôt. Vas-y. Peut-être pouvoir récupérer plus de. Oula. Ah, ils nous mettent 24 quand même, hein, faut que je fasse gaffe. Je sais pas combien il y a de PV exactement. Je suis à combien de PV? 700. Ah, ok. Oui. Parce que c'était, mais je l'ai récupéré. Ok, je sais pas ce que t'en pensais aussi, mais le jeu je le trouve assez propre. Visuellement ça va. Les animations sont pas folles des zombies tout ça, mais des persos, c'est un peu rigide quoi, mais... En vrai, c'est pas si mal. Par contre, la vitesse d'attaque là, ça nous manque un peu là. Hein. Bébé, mais... Merde, j'arrive pas à péter les caisses. Faut que je passe dessus sinon. Ah oh, un petit soin, c'est pas dégueu. Même si on régène. Donc du coup, là, en haut à gauche, là, vous voyez, il y a écrit que dans 2 minutes, il y a un hélicoptère qui arrive. Donc si je veux me barrer avec mes ressources, ne rien perdre en tout cas. Parce que sinon, je pense que je perds tout. Oula! Ah oui, oula, je me fais enchaîner là. Oh, Zizou! Zin zin zidane! Ah oui, c'est vrai, voilà, c'est ça. On n'est pas vraiment entouré. Un petit instant de tueur là, ça fera pas de mal. Instinct de la muerte. Aïe. Je vais faire des câlins en mob, hein. Oh, je suis quelqu'un de très tactilos. Attention. Tout à fait. Et Sajdal, comment ça va? On tente de survivre. Sajdal, sache que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Putain. C'est vrai, hein. On a pris des trucs ce matin, quand même. Ne me remerciez pas, hein. S'il y a une invasion zombie, vous repenserez à ça et vous direz, puis heureusement, hein. Heureusement qu'on a eu les tips. Non, heureusement qu'Equilibrium était là. C'est important ça. Coucou Stouf. Ah bah alors il dit même pas bonjour le streamer. Comment ça va Stouf? Ce qui ne te pas te torture. Oh si, c'est vrai, ouais. Ah, Zizou. Ok. On se fait chier. Ah, vitesse d'attaque de nulos là. Oh, c'est dur, hein. Bien sûr qu'on trinque, oh, ça va, oui. Tu me cherches ou. Ah non, tu voulais juste trinquer. Ça va super. Bon, parfait alors. Ouais, bon, la lance c'est bien, mais c'est chiant. C'est l'ennui un peu là. Oh là, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de vie là. Ou c'est moi qui fais pas assez de dégâts. Ce qui serait pas déconnant. Bon, ils sont où mes levels là? Oh là là, merci. Ah mais... Bon allez, vas-y.
Ok. Bon, pour l'instant, ça va. Ils sont pas très rapides, donc... Je crois que la vitesse de déplacement dans ce jeu... C'est un petit peu nécessaire. Évacuation, retournez au QG tant que vous le pouvez. Ouais, je sais pas. Oula. Ouais, ils sont nombreux quand même, là. Peut-être que je devrais partir, là. Peut-être qu'on va essayer de sauver Karl. Non, Varl, Vol, comment il s'appelle? Merde, comment il s'appelle? Vic. Désolé, Vic, hein. Surtout... Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, Vic. Attendez, il y a une ressource. Mais non, et 7 secondes. Il est où, le truc? Vite. Non, il va se barrer sans moi. Mais c'était si loin. Oh, le petit bat. Le truc, il s'est barré sous mon pif. Bon, faut que je tienne 4 minutes. Putain, dans la démo, il y a personne... Personne n'est mort dans la démo. Bon, bah là, je cours, hein. Je cours et je prie. Je cours et je prie. Oh, ça va, en vrai. Ils avaient l'air d'aller super vite, mais comment ça se fait? Non, oh, ils sont sympas. Ils ont vu que j'ai pas pu partir, ils ont été là, oh non, le pauvre. Ils sont barrés sous son pif, quoi. Ils auraient pu... Oula. Ils auraient pu l'attendre. Ah, mais calmez-vous. Ah, peut-être que je suis pas sorti d'affaire, ouais. Hop là, j'ai vu une ouverture, là. Ok, je pense qu'un petit dégourdi là, je dis pas non. Hein. Coucou Mina, comment ça va? Hello. Voilà, on fait du running là. C'est Running Simulator. Ils vont bientôt sortir Tall Rogs. Qu'est-ce que c'est ça, Tall Rogs? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est encore cette histoire? Mega Rogs aussi bientôt? Oh. Ultime Rogs. Les grands Rogs. Après les mini Rogs, les tout petits, les pequeños. Hop là, je regarde, hein. J'ai l'œil pour ça. Je vois le chemin le plus sûr. Allez. J'aime bien quand je dis des conneries comme ça et que le jeu me punit direct. Oh là, alors, le MP, vous avez pas aimé, hein? Et bim, allez, tiens, prends-toi ça. Il va redémarrer, il va me mettre une grosse tatane. Ouais, non, ça va. Après, forcément, il allait redémarrer. Waouh, 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 le zizou. Oh, le zizou. Oh là, on a pris... Oula, oula, oula. Doucement, doucement, là. Et oh, j'ai du... Faut que je tienne, là. Comment allez-vous, Mina? Cher Mina, comment ça va, sage dalle? Aussi, ça va, il a dit ça va super. Ça va super. Il y aura aussi Rock Voisine et Rock Amadour. Rock Amadour, il est bien. Rock Voisine aussi, il est bien. Il me fume ce sage dalle là. Dur à dire, hein. Qui vole la vole un bœuf. J'en peux plus, moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Ah! Est-ce qu'on va arriver à avoir l'amélioration de la lance là ou pas? En attendant, je vais récupérer des ressources. Ouais, mais si vous me filez rien aussi... Ah, voilà. Double level, pourquoi? Pourquoi j'ai mérité ça? Attends, je vais suivre les coureurs un peu. Salut les mecs! Ça va? Aïe. Ah, mais il y a 3 boss. Ok. Enfin, 4 élites. Ah, ok. Ils sont un peu abîmés en vrai, hein. Je pense de me suivre là. Peut-être si vous voulez me suivre. Allez, encore 2 minutes. Après, je me barre, hein, je pense. Hein. Parce que là, on est pas en forme. Ah, quoique. Je sais pas. Pas sûr en fait. C'est où la sortie? Il y a forcément une sortie. Dis-toi que la sortie, c'est exactement à l'inverse de là où tu vas au départ pour essayer de sortir. Ils ont beaucoup de vie là, je crois, les chelous là, les blancs là. Oula, j'ai failli me faire coincer là dans un coin là par un boss, un double boss même. Allez! Putain, c'est chiant, il tire toutes les 4 secondes là aussi. Mais. Je vais pas y arriver.
Ok. Dégourdi. Peut-être dégourdi, hein, parce que j'ai pas réussi à... Roguette. La team Roguette. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite roquette. Mais la salade, c'est ça? C'est ce que tu essaies de nous dire? Ah, quand même. Allez, une minute. En vrai, ça va. Hein. Ouais, ok. Quel instinct, vous avez vu cet instinct de survie? Là où vous êtes dit, c'est bon, il va se prendre la max. Zéro dégâts. Et ouais, les mecs. Lance. Pourquoi il y a un truc? Il y a une flèche. Je retourne à la flèche. Quitte à prendre des dégâts, je m'en fous. Un coffre, peut-être. Ah, quand même! Ah, oh, j'ai cru qu'il y aurait rien, dis donc. Il est bien ce jeu de Carioca. Pokémon, je tentais une boutade. La team Roguette. Ah oui, bien sûr. Oh là là. Quel manque de culture de ma part, excuse-moi. Ah, trop bien la lance. Niveau 8. Ah, prochain niveau de la lance, je suis censé avoir l'amélioration. Ah, là par contre, je peux prendre des dégâts, j'ai pas le choix. C'est pas le choix, tiers. Oh, pas mal ce soin. Est-ce que je m'en vais ou pas? En vrai, c'est greedy, je pense. Parce que là, on est vraiment pas amélioré. Les persos, ils sont en slip. Et après, je pense que je suis pas assez fort. Hein. Les 5 prochaines minutes, c'est tendu. Il est où? Oh putain, c'est là-haut, évidemment. Ah oui, voilà, ils ont beaucoup de vie, eux. Fais voir, ils réagissent comment? Attends, non, mais je vais d'abord retourner. Je vais aller vite là-bas. Il est où? J'ai 20 secondes, 20 secondes pour... C'est les 20 secondes d'une vie. Oh, je fais un petit détour, là. Hop là. Ah, ça va, j'ai le temps. Ouais, je me casse, j'en ai rien à foutre. Hop là. Je reste? Non, j'évacue. Et jusque là, dans le jeu, que ce soit la démo ou maintenant leur lit, hein, zéro décès. Rock on. Bravo. Vas-y, allez-y, continuez. C'est parfait. Nom de Zeus. Ils sont fous, ces gens. Quittez. Ouais, vas-y. Rock and roll. Ça ne volait pas bien haut non plus. Hein. Oh, quand même. Si, mais oui, mais ça marche. J'aurais dû le savoir quand même. Augmente la vitesse de rechargement. Ah, on l'avait pas, ok. Grenade à effet de choc. Grenade à fragmentation. Ok. Fusil à peupon. Ah, on n'avait pas ça. C'est quoi? Bagarreur. Ah, ok, maintenant on a des nouvelles... Débloquer pas mal de trucs. Atelier d'armes. Ah, amélioration. L'atelier d'armement vous permettra de perfectionner les armes et les armures de vos mercenaires. Ah, ça c'est bien ça. Du coup, alors je peux améliorer une arme pour un perso. Hein. C'est pas toutes les lances, elles sont améliorées. C'est la lance de Bradley, ou de Vic plutôt, qui est améliorée. Ouais, par exemple, la vitesse de rechargement qui baisse, c'est très très bien. Je referais bien une petite sortie avec lui. À moins qu'on recrute quelqu'un d'autre. Sophia. Sophia, elle a ça. Zach. Ah, Omar. Sophia, Zach. Oh, il y a Zach. On peut changer leur nom ou pas? Sinon, je peux les appeler comme vous. Mais je crois pas. Je crois pas qu'on puisse. Bradley, il est niveau 1 toujours. Et donc chaque perso a des niveaux et donc a une barre d'XP. Incroyable. Donc on peut les améliorer. Donc encore une fois, je vous le répète, ils peuvent canner à tout moment. From survivant to pet nicknames. Terrible désillusion, la déchéance des mobs là. Oh, c'est terrible ce qui se passe. Il est où? Il est là. Attendez, je bouge ma cam un peu. Ça sert à rien, mais ça me stresse d'être collé au d'être collé aux chiffres là-haut. Ok, bon, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est ça? Faites plus de raids pour débloquer. D'accord, 2 sur 3. Infirmerie. Ah oui, c'est vrai. Non, je relis hein, pour ceux qui n'ont pas vu. Les personnages subissent une augmentation de la charge virale pendant les raids. Pour chaque tranche de 1000 unités de charge virale, un personnage reçoit une maladie d'état. Une pénalité affectant une ou plusieurs statistiques. Et une seule mutation. Les mutations peuvent augmenter ou diminuer une à trois caractéristiques du personnage. Les affections et les mutations peuvent être traitées à l'infirmerie. Plus le niveau de l'infirmerie est élevé, plus le traitement est rapide. Le niveau de l'infirmerie détermine également la fréquence à laquelle les mercenaires peuvent être évacués vers le QG, après un raid.
Les évacuations ont lieu d'abord toutes les 2 minutes, puis toutes les 5 minutes. C'est exact. Les évaluations ont lieu selon un calendrier et dépendent du niveau de l'infirmerie. Plus le niveau de l'infirmerie est élevé, plus il y a d'évacuations toutes les 2 minutes. Une fois que toutes les évacuations programmées sont terminées, les évacuations ont lieu toutes les 5 minutes. Ok. Donc, ils prennent une bonne charge virale, là. Bah oui, ça c'est sûr, ouais. Ils se font atomiser. J'aurais dit Roxane. Oui, c'est pas mal, ça aussi. Bravo, Atto. Et bonjour. Bienvenue à toi. Donc, c'est un mélange Vampire Survivor et Darkest Dungeon. Mais ouais, c'est cool, hein. J'aime bien l'idée. J'ai bien aimé le mélange un peu, puis aussi tu augmentes un peu ton QG, etc. Mais dans Dark Dungeon aussi, tu peux améliorer des bâtiments. Donc c'est pas mal du tout. Là, l'infirmerie, il faut l'augmenter, je pense. Direct. Et du coup, Vic, il est déjà mal. Zone d'effet, 1%. Dégâts après brûlure, 1%. Il a 10% de PV en moins. Tout soigné pour 1000. Tiens, ça coûte si cher. Ah non, on peut le soigner? Ah oui, mais il reste là. C'est ça, il reste à l'infirmerie, il peut pas faire de sortie. Non, on va l'amener faire une petite sortie, là. Attends, zone d'effet 1%. En plus, choisissez la mutation que vous voulez guérir. Ah non, c'est à moins. J'arrive pas trop à savoir. Hospitaliser un mercenaire pour le débarrasser de ses mutations. Les mercenaires ne peuvent pas partir en raid lorsqu'ils sont soignés à l'infirmerie. Ah, si je sélectionne, c'est moins cher. Ah, si je veux tout soigner, à où? Comment je fais pour revenir en arrière? Je désélectionne, tout simplement. Évacuation. Ah, voilà, ouais. Niveau 3. Ah, attends, c'est quoi? Ah, d'accord, ok, c'est plus proche de moi. Ça se rapproche de moi, j'ai moins à faire. Niveau 10, 20 minutes. Comment ça? 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Ah, peut-être que... Tout... Ah! Ok. Ça veut dire que c'est toutes les 2 minutes. Jusqu'à 4 minutes de game, ça sera toutes les 2 minutes. Ouais, du coup, j'aurai... 2 sorties maintenant. Et là, j'en aurai 3. 3 sorties à 2 minutes. En 6 minutes, j'aurais eu 3 propositions de me barrer. Non, 2 propositions de me barrer. Ouais, je sais pas. Ok. Le QG. On peut l'augmenter, le QG? Vas-y, bam. On augmente le QG. On peut augmenter ça ou pas? 500, 800. Ah, on pourrait, ouais. Du coup, je... Ok. Est-ce qu'il y a un perso qui me parle, là? Je voudrais un comme ça, elle comme ça, là. Mais avec un fusil à peu pont. Ça existe, ça? Belle. Belle, belle, belle. Belle, non, il y a une mitraillette. Je gagne du pognon, on garde du... Ah, il y a Cédric. Je peux prendre Cédric. Ah, vas-y, je te recrute, Cédric. Recruited. Et on va augmenter... Attendez, on va mettre Vic à l'infirmerie. Vic. Hop. Voilà, il est soigné. Cédric, tu vas à l'atelier. On va... Atelier niveau 2. Comment ça? Niveau 1. 255 pognons. Vas-y. Ça augmente les dégâts physiques et la zone d'effet. Pas la vitesse de rechargement, ça c'est con. Mais ça c'est la bonne... Ok, niveau 3 ici. Vitesse de rechargement, moins... Oh, ça c'est bien, ça. 11% de vitesse de rechargement? Attends, je peux l'augmenter, ça, ou pas? Ah bon? Ah bah voilà, là j'y vais, là. Là, je sors. Avec Cédric, on va faire une petite balade. Ça mélange, ouais, c'est ça. Vampire Survivor, Darkest Dungeon et Gacha. Et un peu Gacha, quoi. Rechargement d'une armure? Ah mais allô, quoi. Oui, c'est un peu allô, ouais. Je me doute bien que le fusil à pompe, ça met du temps à recharger. Donc là, j'ai un revive avec lui. Qui est pas dégueu, hein. J'aime bien J'aime bien quand même... Alors attends, avec quoi ça augmente, ça? J'aime bien le fait quand même de pouvoir avoir une régène. Mais Ah, vitesse de rechargement, bien sûr. Bien sûr. Avec cette arme, c'est craqué. Le déplacement, vitesse de déplacement aussi, c'est très important. Ah, augmente les dégâts, bien sûr. Ah, vitesse de déplacement. Oui, mais bon, les dégâts, on peut l'avoir. Bon, les déplacements, c'est important, quand même. Pas se mentir. Un petit tas, là. Ah oui, oula, oui. Ça fait quand même beaucoup de dégâts, hein. Quand on arrive à bien les stacker, là.
Ouais. Bah allez, vas-y, on prend la vitesse de déplacement. Au moins, on nous la proposera. Quoique, je pense pas qu'on ait beaucoup d'améliorations jusque-là, donc... pour l'instant, on est plus en mode... ça tire souvent, quand même. Pas mal. Aïe. Là, c'est confortable, quand même, d'avoir une petite régène, je dis pas non. Je dirais pas non. Je sais pas si on a une amélioration de régène plus tard pour un perso. Ou si c'est juste... juste le vétéran qu'il a et puis c'est tout. Si tu veux une régène, il faut avoir un vétéran. C'est un parti pris, mais compréhensible par rapport à... par rapport à la proposition du jeu. Hein. D'avoir des personnages spécifiques avec des... je pense qu'on va prendre le fusil à peu pont. Parce que là, du coup, on pourrait l'avoir amélioré. J'aimerais bien voir ce que ça fait hein, d'avoir une arme améliorée. On l'a jamais vu jusque là. Je crois pas, même dans la démo, on l'a... Je sais pas, j'ai déjà eu une arme améliorée dans la démo. Ça me dit rien. C'est pas bon signe ça. Si c'est arrivé, ça m'a pas transcendé. Hein. Ok. Ah, allez-y, stackez-vous bien. Hein. Non mais là on part pas là, respecte-moi. Donc là ça fait 2 minutes que je suis là. Vas-y, on prend le fusil à peu près. Je veux maximiser. J'aurais pris la vitesse mais... Faut que je fasse gaffe, j'ai pas la régène. Je joue comme si j'avais la régène. C'est-à-dire je joue mal. Ok, on récupère des ressources. On n'oublie pas qu'on est un peu là pour ça. Pour l'instant, ils vont plus vite que moi. Les coureurs là. Oh, ça c'est bien ça. Poussez-vous. Oh, ça valait le coup. Pas tant que ça en fait. Niveau 4, ouais, c'est bien. Par contre, je fais pas assez de dégâts. Grenade effet de choc. Augmente les PV max. Lancer dans une direction aléatoire, inflige des dégâts de choc de zone. Réduit brièvement les dégâts infligés par les ennemis affectés. Vous sélectionnez les grenades à effet de choc. Vous ne pouvez pas sélectionner les grenades à fragmentation, les grenades toxiques ou les cocktails Molotov. Ouais, vas-y, on va prendre un peu de vie. Why not? Le fusil à peu pont, bien sûr. Bien sûr, un fusil à peu pont. Merde. Merde. Tu veux pas viser? Voilà. Ok. Ouais, faut vraiment faire des trucs de zizou là, un peu. Hein. Ah, là, là. Bien. Hop là. Ouais, c'était un peu tendu là. J'avoue, c'était un peu greedy. Ok, les kunai. On va se dé... Ouais, bah oui, super. Oh putain. Pas sûr, hein. En chargement d'une armure. Oui, bah c'est... C'est vrai que c'est ça me fait penser... Quand t'as dit ça, Rustic, j'ai entendu le... J'ai entendu le bruit de... de Halo. Le rechargement de l'armure, là. Ah oui, ils sont un peu gratuits, là. Oui, bon, mais fonce pas dessus comme ça. Il laisse un petit peu de pognon. Je sais pas si tous les mobs laissent des ressources derrière eux ou pas. J'ai mal à savoir. Évacuation, non, toujours pas. Non, mais c'est bien ça. La maintenance, c'est 5 minutes du coup. Ouais, c'est ça. Donc j'ai 2 évacuations. En 4 minutes, j'ai 2 évacuations proposées. Et ensuite, c'est toutes les 5 minutes. Ah, une grenade. Lance-grenade ou les grenades ? On va tester. Ah, il y avait l'amélioration là. Oula, oula, oula. Faut que je trouve des caisses. Ah, lui, il faut qu'il parte en chasse des caisses, en vérité. Faut que je trouve des... Oh, merde. Je l'ai pas vu. Je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai pas vu. Leur tourner autour, c'est une très bonne idée, si c'est possible. Parce que vraiment, ça a fait des paquets, là. Entre les grenades et le fusil à peu pont... Il y a moyen de se faire des belles grappes. Ouf. Ah, il y a un petit coffre là. Petit coffre. Donc, cassez-vous. Non, j'arrive pas à le... Ok. On va les éloigner un peu. Mais non, mais meurs pas comme ça, Michel. Est-ce que le coffre me soigne?
Est-ce que je me crois dans Brotato? Oui. Ok. L'ombra, lance-grenade. Ça, c'est pas mal en vrai, hein, mais bon. Attention! Il peut y avoir plusieurs améliorations dans un même coffre. Là, on n'en a eu qu'une, mais je crois que j'ai déjà eu deux. Ok. Ah, surrounded. Évidemment, c'est pas par là. C'est ouvert en bas, là. Bah. What the fuck? Ah, vitesse de rechargement. Précis. Appréciable. Ah, mais. Je peux pas sortir, là? Ah si, c'est ouvert là. Mais c'était pas ouvert tout à l'heure, si? Ah, c'est peut-être au bout de moment, ça s'ouvre, peut-être. C'est peut-être pour ça que je le vois pas à chaque fois. Parce que ça y est pas à chaque fois. Enfin, au début, en tout cas, ça y est pas. J'aimerais bien avoir un soin, là, en vrai, quand même. Même si j'ai un revive, bon. C'est pour canner, je sais pas si c'est mieux, hein. Dégourdi, vite. Non, frappe vive. Arrêtez. Dégourdi est pas mal, hein, évidemment, mais... Au plus, hein. Pour augmenter les dégâts aussi. Instinct de tuer. Ah, merci. Merci pour le soin. Hop là. Une caisse là-bas. Ils ont masse PV, quoi. J'ai beau leur mettre des coups de fusil à peu pont in the tronche. Non mais fais pas ta Kaira, mec, t'y arrives pas. Marche pas là, ça marche pas là. Ok. Pas mal là. C'est explosif. Je pense qu'au fur et à mesure aussi on va débloquer des classes. Même sûr. C'est ce qui est arrivé là, puisqu'on a débloqué Ghislaine. J'ai même pas regardé ce qu'elle faisait, Ghislaine. Bagarreur, c'est ça, je crois. Je sais plus. Elle était dans la démo, mais en vrai, je m'en souviens pas. Ouais. Ah non, j'aurais peut-être pu éviter ce dégât, mais. Je m'occupe des boss parce que des fois quand même ils laissent des coffres. Hein. C'est pas dégueu les coffres. Par contre l'XP là, au secours. Je vais chercher les bleus là. Ouais. Lance-grenade, grand cœur. On peut pas avoir la... Du fusil à peu pont s'il vous plaît. J'ai dit s'il vous plaît. On one shot pas les rouges là avec le fusil à pompe. Pas bon ça. Oh mais attends, mais il y a un coffre là, je l'avais pas vu. Bon, j'ai raté ça. Non mais je sais qu'il y a un... Ouais mais c'est important. Hop là, pardon. On se brille. Ah bah merci. Ah bah voilà. Deux levels en une seconde, c'est bien ça. Salut Henri, comment ça va? Bien le bonjour. C'est la survivance là, Cédric. Si vous connaissez un Cédric, bah voilà, il est là. C'est lui. Ça va bien, ouais, écoute, ouais. Bien content de tester cette la sortie là de Fatal Zone, là. Il a l'air vraiment sympa. Enfin, on l'avait déjà testé sur la démo, mais... J'avais bien kiffé. Oula oula, doucement doucement là. Oula oula, allez. Le frotti frotta, c'est simple. Oh putain, où est-ce que je vais? Où est-ce qu'il va, Michel? La hitbox là est très très bien. Hein. Ça fait plaisir d'avoir une belle. Oh putain, mais d'arbre de merde. Ok. Tout va bien, tout va bien. Tout va pour le mieux. Voilà, c'est de la vie ça. Visiblement pas. Peut-être là? Non plus. Non plus. Est-ce que j'évacue maintenant? Tu sais que... Peut-être, hein?
Je me tâte à partir maintenant. Hein. On a perdu personne hein, jusque-là. Je suis attaché, moi, à Cédric. Alors, c'est pas BDSM, hein, ça a rien à voir. Allez, vas-y, on évacue. On sauve Cédric. C'est la danse des embarres qui en sortant de la mare. Un peu ça. Je sais bien d'augmenter un peu les trucs. Là, on va pas avoir d'armes. Je pense qu'il faut rester plus longtemps aussi pour avoir des armes améliorées. C'est à peu près sûr. Accumule 2000 dégâts. Ah bon, déjà ? Tenir pendant 7 minutes en tant que survivant. Ah, je l'avais pas fait ? Ah oui, ça c'était fort, hein. Le nuage biodestructeur là. C'est pour ça aussi genre par exemple, avec le nuage biodestructeur, je pense qu'on peut tenir plus longtemps. C'est le bon pif là. Pour l'instant, c'est le bon pif. Armure lourde. Nuage de particules, le katana. Punis les ennemis proches. Ok. Centre de recrutement. Allez voir. On a un katana ici. Sami avec son katana. C'est la lance. Richard, Vincent, Blanche, Chris. What the hell? Non mais y'a pas... Ouais. Mais non. Patrick! C'est Patrick avec une armure lourde. Protection contre les toxines, 20%. Ok. Je sais pas si c'est mieux, mais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y a, PayPal? Non, laisse-moi tranquille, PayPal. Zouin, 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 zouin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, est-ce qu'il va bien, Cédric, là? Il doit avoir un peu de mutation, non? Alors lui, il est soigné. Ouais, quand tu fais une sortie, en fait, tu perds en PV et en dégâts physiques. Ok. Ouais, il peut sortir encore un coup, non? Il est temps de bouger, pas maintenant. Merci. Ma montre qui me rappelle. Ah, la salle de sport. Améliorer la salle de sport, mes travaux. Mercenaires d'acquérir des atouts de niveau supérieur. Salut, Jean-Jacques. J'espère du sport. Bon, ça, dégâts physiques 10%, armure 5, PV, vitesse, générosité, waouh. Zone d'effet 30%, augmente les attaques à zone d'effet. Ah, soin 50, l'efficacité des medpacks. Béni des dieux. Hop là, amélioré aide. Niveau 2. Donc, rang 2, je peux acheter ça. Augmente aide. Nécessite un mercenaire de rang supérieur. Comment ça? Ah, il faut être 32. Ah, ça, c'est leur rang. D'accord. Ici, c'est leur rang. Et du coup, ça sert à quoi d'avoir augmenté? Ah, j'ai aucun point de talent. Ah oui, d'accord, ok. Du coup, c'est des points de talent que j'obtiens quand je gagne un niveau, j'imagine. Donc, du coup, il faut refaire une petite sortie avec lui, là. Est-ce que je peux améliorer ça? Améliorer votre QG d'abord. D'accord. D'accord, Michel. Pas assez de ressources. Ok. Bon, ben, pas le choix, quoi. Pas le choix. Est-ce que je peux l'améliorer? Oui, je peux améliorer là. Ouais, je vais améliorer ça. Tout ce que je peux améliorer, je le fais. Hein. Donc là, je peux avoir plus de sorties. C'est parti, hein, on va au portail. Allez, Cédric. Zébardi. Remorti. Good morning, Vietnam. Ça ressemble un peu à ça. Hein. Salut, Atem, comment ça va? Ok. C'est un peu... Par contre, c'est un peu con parce qu'on est amélioré de ouf. Et dès qu'il y a le fusil à pompe, il faut le prendre. J'ai envie de voir ce que c'est que l'arme améliorée. Frappe vive aussi est fort, hein, mais bon. Ouais, non. Putain, le mec, il se donne une directive et il la suit pas au bout de 4 secondes, quoi. Direct. Oh, merde. Eh, merde. Mais non, pas là. Dès qu'il y a un mec en face de toi. Allez, fusil à pompe. Allez, stackez-vous bien, là. Voilà. C'est bien.
fusil à peu près. Et là, il me propose plus l'amélioration des dégâts. Deg. Degman. On va sûrement peut-être pouvoir augmenter la probabilité d'avoir peut-être 4 améliorations de propos Z. Ce serait bien. Je laisse beaucoup de ressources derrière moi, mais... pas le choix. On va revenir après. Je profite qu'il soit bien aligné là. Comme les chakras. Hop là. Fusil à pompe, allez, allez. Bon, dès que je peux, je prends quand même l'amélioration des dégâts. Enfin, ce qui me permet d'avoir l'arme double. L'arme améliorée, pardon, évoluée. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je pense que tu pouvais ne pas mettre le texte au milieu de l'écran, ça m'arrangerait par contre. Ça m'arrangerait pas mal. Eh, déjà un fusil à pompe niveau 6 ou 7. Pas mal ça. Ouais. Aïe. Pas trop de griden ça, s'il vous plaît. Oh, la belle prise. Ok, c'est bon, j'ai le fusil à pompe à donf. Ah ben voilà. PV max. Il m'a pas proposé. Je sais pas si c'était dans un coffre. Dans Vampire Survivor, c'était ça. Il fallait augmenter ton arme au max. Et ensuite, trouver un coffre. Ton arme se trouvait dans un coffre après. Ah. Bon, pourquoi pas les kunai, c'est pas fou, mais... Y a pas de coffre ? Oh, le petit bat. Il nous a rien laissé. Frappe rapide. Le nuage. Le nuage est très fort, hein. Alors que peut-être. Peut-être cette partie peut... On peut peut-être... ouais, si on arrive à... à choper le fusil à pompe amélioré. Peut-être moyen. Et à bien améliorer le nuage. Aïe. La régène, c'est fort quand même. Allez, vas-y, on va prendre le nuage. Il est un peu plus grand déjà. Un peu de soin. Je sais pas s'il reste par terre ou pas. On va voir. Bon bah ok. Ça, je voulais pas le prendre mais... Est-ce qu'ils arrivent jusqu'à moi ? Bon, pas le boss bien sûr mais... Je crois que oui hein. Je crois que j'arrive pas à les tuer. Peut-être oui. Ah eux je peux leur foncer dedans. C'est bon à savoir. Oh non Michel, je vais pas partir maintenant. On commence tout juste à s'amuser. Ah, un petit lance-greux. Allez, vas-y, un petit lance-greux supplémentaire. Je crois qu'on peut avoir jusqu'à 6 armes. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, mais vous avez peut-être pas vu. Je vous montre un peu le hub. Même si vous voyez là, mais vous voyez peut-être pas en entier. On peut avoir jusqu'à 6 armes et 6 talents. Ah, ça, c'est avec les grenades, ça. Les grenades, et ça, c'est accélérateur magnétique. Mais ça, je crois que je l'ai pas débloqué, ce truc. Les grenades, oui, par contre. Ah. Si j'ai les greux, ça peut être sympa. Non, on les tue pas tous là, c'est plus one shot là. Hein. Je dirais que la version améliorée du fusil à pompe est un fusil à pompe. Non. Non. Non, 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 non. Arrête. Arrête. Bon, c'est pratique aussi pour looter les coffres. le rayon là autour de moi parce que ça permet de le péter les coffres en s'approchant juste. Ah, un peu de vitesse de déplacement, j'avoue, parce que là. Ah, peut-être ça va pas avec mon build, mais c'est pas très grave. Aïe. Si on peut améliorer la zone là, ce serait bien. Hein.
Au secours. Là. C'est le sixième sens de la sortie. Des points de sortie. Les PV max. Oui, vas-y, augmente tes PV max. Je prends pas la grenade parce que je veux la grenade à fragmentation. Vu que potentiellement je pourrais l'améliorer au max, mais bon, ça m'étonnerait parce qu'il faudrait rester longtemps. On va gagner pas mal de level. C'est dommage qu'on puisse pas diriger un peu le tir. Ah, de grenade à fragmentation, justement. Justement, parler de toi. On peut les tuer, je sais pas, je suis pas sûr. Je pense pas. Mais il met du temps à mourir lui hein, le pompier là. Le méga pompier. Ok. Je peux leur foncer dedans. Le plaisir. On va commencer à faire popper aussi des ressources bleues, voilà c'est ça. Là, sinon ça monte doucement. Dégourdi. Ouais, peut-être. Moi, ça me plaît bien, ça. Est-ce que dégourdi, ça va avec une amélioration? Ah oui, avec la batte. Ok, mais on l'a pas. On l'a pas débloqué. Je pense à remettre la cam. Ah oui, merci. Des fois, j'oublie. J'oublie que je suis là. Allez, je me déplace un peu plus rapidement. C'est plus simple. Je trouve ça plus agréable. À jouer-je. J'aimerais bien avoir une petite amélioration de l'arc là. Enfin, pardon, comment s'appelle ça, du truc autour de moi là. Ouvrons ce coffre. C'était bien ça, donc c'est avec les coffres. C'est bien avec les coffres qu'on a l'amélioration. Ok, trop bien. Alors, c'est parti. Ça ressemble à quoi? Mais j'ai même pas lu. J'ai pas lu. Augmente la portée, les projectiles, pénètre les cibles, inflige des dégâts de feu et enflamme les ennemis. Ah bon? Ah bon, ok. Ah oui, d'accord. Ah, stylé. Pas très stylé tout ça. Ça a l'air pété. Ah oui, c'est ça qui est bien. Le nuage bus destructeur, bien sûr. Ah là, c'est plus la même soupe là. Waouh, c'est plus du tout la même soupe. Instinct de tueur, oui, ça c'est bien. On monte les dégâts de tout le monde. Notamment du cercle là. Il y a un boss, non? Ah. Je crois que j'ai donné un coup de boule au boss, il a pas aimé. Moi, ça me va. Hein. J'aurais peut-être dû le laisser là. En vrai, ah, mais j'ai défoncé le boss, je crois. J'ai pas compris ce qui s'est passé en vrai. Ok. Ça, c'est pas mal en vrai. Les bras longs, c'est bien. Plus d'XP, plus d'amélioration. Plus souvent. Car le temps joue contre nous. Hein. Comme souvent dans ces jeux, mais bon. Le lance-grenade... Il n'y a pas de l'amélioration du lance-grenade. On va voir si on peut pas avoir la grenade améliorée. On se laisse à la surprise. J'ai pas regardé. J'ai regardé les coureurs, là. Alors, marathon. Oui, vas-y, vas-y, toujours plus. Faut plus d'XP. On en laisse quand même pas mal derrière nous. J'en récupère, mieux je me porte. What? C'est moi, on a one-shot le boss, là. On a one-shot le boss, non? Non? Attends, j'ai pas compris. J'ai tiré un coup, il a disparu. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Hein? Ok. Est-ce qu'ils peuvent m'approcher? Ah, peut-être pas en fait, hein? Est-ce que je peux rester là? Ah ouais, hein? Il a été dépop, il a pas eu le temps de dire oui. Ni non d'ailleurs, ni oui ni non.
un petit chat. Alors je foncerai pas quand même, mais... Peut-être récupérer des ressources aussi, un jour. Ah si, je peux foncer dedans. Ah, je peux foncer dedans quand même. Hein. Pour l'instant, je peux foncer dedans. Ah oui, l'XP là, ah ouais. Vitesse de rechargement est pas dégueu. Mais ça d'abord. Ah là, 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 on est sur une run là. On est sur une run cracasse. Qui donne envie de rester un petit peu plus longtemps, j'avoue. Et bon, les mobs, ils sont de plus en plus balèzes aussi, donc... peut-être pas non plus trop ce... Hein? Mais bon, déjà, avec une arme améliorée, pas vous. Ah oui, ah voilà, voilà, déjà, vous voyez, lui, eux, je peux plus leur foncer dedans, j'avais pas vu qu'il y avait de nouveaux mobs. J'essaie de trouver un soin aussi. Oula, oula, il faut que je commence à refaire de la... Vas-y, instant ou tueur. Du coup, il crame. Ah ouais, d'accord. Je refais des esquives. Ok, c'est mieux. C'est mieux. Je cherche aussi des caisses. Où sont-elles? Le nuage. La vitesse aussi d'attaque, ça va être sympa. Mais y a plus de caisse ou quoi là? C'est quoi cette arnaque? Aïe. Ah, merci. Ah ouais, oh, ouais non. Ils prennent cartouche à chaque fois. C'est incroyable. La papoutraillette. Une petite papoutraillette là. Tu veux un câlin? Aïe Peut-être avoir la grenade là. Oh, on les pousse. Allez, poussez-vous là. Mais non, mais là je meurs. Je suis en train de mourir. Non, Cédric, non, pas comme ça, Cédric. Il me reste 30 secondes. Peut-être qu'il faut que je me barre là, non? Ah, peut-être pas. Non, mais en vrai, j'ai l'impression que je peux tenir. Si je joue pas trop mal, je peux tenir. Ah, j'ai un revive au pire. Ah bon, vas-y, peut-être que je peux me permettre. C'est greedy ou pas? Ça dépend, si je trouve un soin peut-être. Ah bah, allez, c'est un soin ça. Hop. Bon d'accord, ok. C'est greedy hein, c'est greedy hein. C'est greedy mais pourquoi pas. Le nuage. Ah, peut-être c'est greedy. Après, s'il m'envoie juste une vague de nullos comme ça, ça va. Au contraire, moi je veux bien, c'est de l'XP. Même si c'est pas eux qui me filent de l'XP quand même. Bah quoique, s'ils sont super nombreux comme ça... Ah bah, allez-y, allez-y, hein, venez, venez, venez. Venez, venez. Venez mes bons amis. Oui, oui, oui. Exactement. Ah, c'est quel plaisir. Grenade. Ah ouais, bah voilà, ça y est. Moi j'ai joué avec mes potes et j'ai oublié que je pouvais m'évacuer. Dommage. Dommage, peut-être que c'est la mort. Bon, pas là maintenant, pas avec eux. Hein. Avec eux c'est Papouille et compagnie là. Papoutraillette, hein, comme tu dis. Comme tu dis si bien. Vas-y, les grenades. Ah mais moi je veux bien continuer 5 minutes comme ça là avec eux. Hein. Ah. Ah ils ont l'air d'avoir beaucoup de vie. Oh les pompiers aussi là. Ok là ça dégonne plus. J'imagine qu'en plus les dégâts de feu contre les pompiers ça sert à rien. Je sais pas si c'est RP jusqu'à ce point là. Hein. Ok faut que je continue à jouer là. Faut que je recommence à jouer au jeu. Hop. J'ai le bio machin truc au maximum. La vitesse de rechargement peut-être serait pas dégueu parce que ça touche quand même le... Touche tout. Déjà ça améliore tout. Petit aimant. Petit lance-grenade. Un peu le bordel là.
Ah, les bleus qui rampent là, ils meurent direct. Ok, instant tueur, ça c'est bien. Ok. Les bleus qui rampent, on peut aller sur eux. Pas de problème. Ouais, frappe vive, c'est très bien. Dégourdi, oui. Ok, ok, ok. Ok, ok. Mais... ok, moi ça me va, mais... calmez-vous. 40%. À grand cœur. Les kunai, est-ce qu'on... ouais. Un peu de défense. Ouais, je sais pas trop. Pauvre pompier, quoi. Déjà qu'on les paye pas, mais en plus, on les fout droit. Mais non, ils sont unifugés, on leur fout le feu, donc tout va bien. Quelque part, ça va. Non, moi, c'est la grenade que je voudrais. La vérité. La greu. On va essayer de tenir le plus longtemps possible, donc on va prendre la vie. C'est pas le mauvais choix. Vous êtes nombreux, là, quand même. C'est où la sortie? Là. J'essaie de me focus sur les mecs à bouclier pour ne pas aller là. Là où il y en a, j'y vais pas. Le reste, normalement, j'ai pas besoin de m'en occuper. Ah, les grenades. Je sais pas s'il y a un boss quelque part. Là, une petite zone de sortie là, là aussi. C'est tendu. Aïe! Merde. Faut pas les toucher, hein. Ah, les quarterbacks. Au secours. Ouais, 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 je suis de la merde, je suis de la merde. Ça commence à être un peu tendax là. Faut pas se mentir. Oh, mais les boss! Ah, merde, j'ai pris un coup. Je voulais m'arrêter pour tuer le boss, mais j'ai l'impression que les boss ils ont moins de vie que... Oh, il y a un coffre. Et ouais, mais il me faut... Il faut l'amélioration des grenades là. Faut chier les mecs. Ah bon? Oh putain, je vais canner. C'est quand? Dans une minute. Bon, faut que je me barre surtout. Surtout que je me barre. Bon, j'ai un revive, mais quand même, hein. Oh merde. Papa! Ce qui ne tue pas ne rend plus fort! Ne l'oublie pas! Mais putain. Oh les esquives! Oh les esquives de Zizou! Ah non, ça suffit pas. Je prends tarif. Et en même temps, je vois rien là. Avec mon stuff. Oh, je vais canner! Oh, j'ai envie d'aller chercher. On a 50 secondes. Hein. Ils avaient quand même s'équiper avant de mourir, c'est nulos, t'as raison. Mais non, mais ils sont inifugés, c'est bon. Oh putain, je vais canner. Ah bah là, je canne là. Ah non. Oh, j'ai eu un peu de soin. Regarde, soin de soin là, vite, vite, vite. Et poussez-vous. C'est moi ou grenade améliorée? Ah non, pas du tout. Comment ça, niveau 1? Ah si, c'est l'évolution. Mais quoi, niveau 1? Attends, mais pourquoi il y a marqué niveau 1? Il y en aura pour tout le monde. Lorsqu'elles explosent, chaque grenade éclate en plusieurs fragments qui pénètrent les ennemis. Ok, fais voir. Ah! Est-ce que ça change quelque chose? Oh, ça change quand on voit plus rien. On comprend plus rien du tout. Oui! Oui! Putain, c'est trop bien. Oh oui, 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 et oui. Ah, j'avoue, hein. On se soigne en plus. Arrête, non, mais là, faut partir, là. Elle est où, elle est où l'évacuation, en vrai? 20 secondes. Elle meurt pas comme ça, en vrai. Oh, il y a un coffre, encore. Au milieu de tout ça, il y a un coffre. On augmente sa vie. En vrai, c'est rigolo. Ok. Lance greu. Allez, c'est bon, on est pas là pour tricoter. Est-ce que je me barre? Bah, je me barre, je crois. Hein.
Me barre, Cédric il va canner là. Il va pouvoir tenir 5 minutes de plus hein. Peut-être que là si c'était dans 2 minutes, je tenterais la grid. Mais là juste d'atteindre déjà l'hélicoptère c'est galère. Oh vas-y j'y vais, c'était une belle run là, c'était une belle run. Allez cassez-vous. Allez c'est bon. J'évacue Cédric. Bravo Cédric. Voilà, là c'est pro. Bravo Cédric. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, on a débloqué plein de trucs. Gameplay 14 juillet, putain c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Putain, on a débloqué pas mal de choses. Alors du coup c'est cool, on a eu 2 évolutions. Evo et Evo. Eh ben ça, c'est cool parce que ça fait... Ça change vraiment la donne, pour le coup. Armure moyenne. Bon, il va nous décrire tout ce qu'on a gagné là. J'ai à toi, merci. Merci, c'est Cédric, hein, c'est pas moi. Vous savez, moi, j'ai juste tout fait. Armure moyenne, apporte une protection contre les dégâts physiques. J'ai pas eu le temps de lire. Augmente les chances de trouver des objets... Augmente les gains d'XP. Ah, c'est pas mal, ça. Connais ton ennemi. Ok. Lance une boule de métal. Ah oui, c'est vrai. Ça, on l'avait débloqué, déjà. Régénère périodiquement les PV. Ah, mais voilà. Ah si, on a une amélioration de régène, finalement. On s'est mardi. Infirmerie. Ouais, tu... Voilà l'infirmerie, Cédric. C'est bien, t'as bien bossé. Bravo. Par contre, il y a beaucoup de mutations, là. C'est pas bon, ça, non? Mais il est level 3. Ah. On peut pas... J'aimerais bien une Ghislaine, mais avec, je sais pas, un katana, par exemple. Y'a pas Ghislaine katana? Putain... Elle fait quoi, ça? Armure et de la vitesse. Armure et vitesse. Le chasseur. Sachant s'achacher. Incroyable. Vous sanglier. Plop toi-même, hein. Plop toi-même, mec. Oh, mec. Ok. Mais ok. Mais vraiment... Ah bon. Arthur. Mais je crois que je préfère ça. Je préfère lui. On va prendre Arthur avec le katana. Vas-y, je recrute Arthur. Et on va aller faire un petit tour. Mais d'abord, attends, on va aller faire... Attends, on peut pas faire du... T'es pas dans ce temps, fais du sport. T'as 2 talents. Augmenter. Waouh. Améliorer. Donc du coup, il peut avoir des PV en plus, de la vitesse en plus, une zone d'effet. Waouh. Ah ok, je choisis entre les deux. Du coup, si je fais ça, je peux alterner. Ah ok, c'est pas mal ça. Pas mal. On peut vraiment pimper un perso... Oh la batte. Tu es 160 zombies en tant que bagarreur. Ben oui mais... Moi je veux bien. Accumule 5000 dégâts. On débloque le tank. Ah. On a 3300. Prends pas assez de dégâts là. Arthur pas changé assiette pour fromage. Arthur avec katana dans ses liens. D'accord Arthur. Fais voir, rafraîchis-moi tout ça là. Ça coûte cher? Ah genre si je veux la recruter elle c'est 900 balles. Pourquoi? Ok, ah, parce que c'est les... Ouais c'est les... Iris. Ah! Ah on a Iris avec un... Vitesse de rechargement. Armure 1. Et ça c'est combien? Armure 2. Vitesse. Peut-être on peut la recruter elle en vrai. Allez vas-y je la recrute. Je suis dég. Le QG on peut l'améliorer? On peut plus. Mais non on a pas assez de ressources. Il nous manque quoi? Ah il nous manque du steak haché là. Ok. Bon allez Iris viens. On va voir. On va faire une petite sortie avec toi. Je sors avec Iris. Dites pas croc-croc que je suis sorti avec Iris hein. Mon objectif est économiser des points. Pour voir s'il tient le stop dire des trucs durant un live entier. tu pourras pas faire ça. ça marche pas. J'ai mis un stop hein, à ça. Pour éviter ce genre de folie. C'est bien essayé Atem mais... pas le premier à avoir eu cette idée. Il faut la balle spéciale. On l'a pas évidemment. Schlack.
Là, je pense que tous les rêves de Atem se sont écroulés d'un coup. Terrible. Katana. Ah, le katana, c'est du cul. Hein? Le katana, c'est du cul. La tristesse d'un Atem malade. Oh non. Désolé, Atem, mais t'imagines, on fait tout un live en stop dire des trucs. C'est un sup. C'est un sup pour tout le monde. Il y en a qu'un qui rigole, c'est celui qui le fait. Et le reste du monde est un peu plus. Tu vois? C'est pas possible. Déjà, ça a commencé à tourner un peu comme ça à un moment donné. J'ai fait bon, ok, j'ai compris. Allez, on est katana, on prend que des trucs du Japon là. C'est la run du Japon. Ah si, il me semblait bien qu'il y avait un truc qui tournait quand même. Ah, par contre, ça reste pas très longtemps. Schlack. La zone d'effet est sympa. Amen. Attends. Ah, gain d'XP. Augmente le gain d'XP. Augmente les chances de trouver des objets dans les caisses et de sélectionner 4 talents au lieu de 3. Ah. Augmente les chances d'activation de certains talents et de certains atouts. Ah bon. Après, j'aime bien la régène. J'aime bien les gains d'XP aussi. Le gain d'XP, je crois, sur le long terme, est plus intéressant. Aïe. Merde, raté. Aïe. Ok. Ah, ça tranche dans le vif. Hein. Bah, tranché, chéri. Le katana. Frappe vive. Peut-être un petit peu de frappe vive. Ah merde, c'est con parce qu'on a des armes qu'on ne peut pas faire évoluer. On ira peut-être pas très loin avec elle. On peut pas les faire évoluer parce que on n'a pas débloqué ça ni ça. Dommage. Je passe en radio. Chargé today. Ah ouais. Win. Do it. Des bisous. Des bisous sanglier. Bon courage pour le travail. Il y en a beaucoup. Je sais pas trop là, j'avoue. J'avoue tout. Mais qu'est-ce que c'est? Ah. Ah. Non, c'est bon. Le katana. Est-ce que je fais plus de dégâts avec le... Ouais, plus souvent. Un katana plus souvent. Il y a un trailer avec elle, là. Franchement, ils se sont donnés hein, dans le jeu. Hein. Il y a un trailer où elle explique, ouais, d'abord il y a eu Jean-Jacques qui avait ses spécificités, mais au final, il a fini par canner comme tous les autres. Et moi aussi, de temps en temps, je fais des sorties. Et elle, là, avec sa guitare, elle est là, ouais, elle explique dans une petite cinématique sympa. Ah, ils ont fait ça bien. Tiens, mais j'avais pas vu que je prenais des dégâts. J'étais collé à un mob. Ok. Ah, ça fait ses petits dégâts quand même, la petite bouboule là qui tourne. Bon, par contre, on... Ah ouais, merci. On fait pas beaucoup de dégâts. Hein. C'est pas non plus l'efficacité absolue. Hein. Bon, bah là, non, l'hélicoptère, c'est bon. Respectez-nous. Wouah. Je pense qu'on a tué 160 zombies, hein. Ah. Projectiles, ça fait quoi? La vitesse de projection et zone d'effet. Ah, des projectiles plutôt, pas projection. Le katana peut-être. Ou frappe vite. Non mais j'aime bien. Plus souvent. Ah mais ça lâche pas toujours des coffres en pas ces boss là. Tu vas me dire, dans Vampire Survivor aussi, hein, il lâche pas que des coffres. Il lâchait des gros cailloux des fois. Bah vas-y, à donf, comme ça c'est fait après.
Instinct de tueur, patte de lapin. Vas-y, j'ai envie d'essayer un peu la chance. Instinct de tueur est pas mal aussi, mais... Alors après, du coup, il y a la technique que j'utilisais dans Vampire Survivor qui serait possible là aussi. Quelle est-elle? Me direz-vous? C'est la technique du... je prends pas les coffres, je les laisse par terre. Et je reviens les chercher quand je fais évoluer une arme. Mais bon, là pour ce perso c'est pas la peine puisque toutes les armes qu'on a on peut pas les faire évoluer. Vu qu'on n'a pas débloqué les trucs qui vont avec. Du coup je pense qu'on n'est pas censé faire des sorties avec ces armes là. C'est encore un peu tôt. Toujours pas de coffre hein, c'est fou ça. À quel moment il y a des coffres? Est-ce qu'ils me font des dégâts si je vais dedans? Une manière de le savoir. Hein. Ah non. Oh putain, il y avait du monde. Des fois, les arbres, ils sont traîtres. Hein. J'aime bien le sound design aussi, il est sympa. Les petits bruits assez satisfaisants là de quand on récupère des objets spécifiques. Chaque ressource a son petit sound design perso. Ah ouais, c'est appréciable. C'est con, mais c'est le genre de détail qui me plaise de bien. C'est un katana de décoration. Ah non, attends, on n'est pas encore là. La chance. 20%. Peut-être faudrait augmenter ça, non? C'est où les dégâts? Comment on sait combien de dégâts ça fait? Dégâts physiques? Mais ça fait pas de dégâts. Ah, dégâts physiques 10. Ouais, faut pas faire ça. Est-ce que ça repousse? Non. Du coup là, ouais, faut que je fasse 10 ou là. Faut que j'apprenne à sentir le rythme. Comme Saga Africa. Ah! Pas comme ça. Le rythme de mon arme. Histoire que je tue le plus de mobs possible en un coup. Pour l'instant, ce qui est autour de moi meurt. Hein. Peut-être que... Ouais, non, je vais me dégourdir un peu les jambes. Puis le... Bon, le ninja... Le ninja au lance-grenade, bon, c'est... C'est American Ninja, quoi. Ah! Je vais pas me barrer tout de suite, quand même, si. Ah, en même temps, elle est un peu en slip, hein. C'est pas fou, hein. Bon, le katana, c'est pas fou, en vrai. Mais peut-être qu'il faut l'augmenter, il faut l'améliorer, il faut peut-être l'avoir en mode évolué, et là... Ça fout des chelasses partout. Ah, ça fait un effet bizarre sur les mobs quand je les fais bouger, vu qu'ils se tournent. On dirait qu'il y a du de la lasing là, ou je sais pas quoi là. Et la synchro verticale là, oh. Oh, je me barre pas, mais... Attention, on perd personne, hein. Faites des dégâts, c'est pas mal. Ah, un peu de soin, c'est bien. Mais non, mais... Voilà. Voilà, on fait pas de dégâts, là. On fait pas de dégâts, là, sur les mobs rouges. Voilà, il s'est TP là, non? Ah, ça me gratte. Tu peux l'évoluer ton katana? Bah non. Pourquoi ne puis-je pas? Munition supérieure. J'ai pas ça, moi. J'ai pas débloqué ça. Comme c'est pas débloqué, cher. Cher à moi. Hein. Et ça aussi, tu vois, on l'a pas. On n'a pas débloqué la formule de prolongation et les munitions supérieures, du coup. Pour ça, je pense qu'au tour d'après, si on est toujours en vie, bien sûr. D'ailleurs,
J'ai toujours pas regardé ce que font les... Ah ben on saura pas. Il faudra attendre de revenir. Ce que font les bagarreurs. Ok. Même pas ce que c'est sa spécificité aux bagarreurs. Bon après c'est un mob de corps à corps quoi. C'est un gameplay très spécifique. Moi j'aime bien les gameplays à distance plutôt. Ça m'évite de lancer le casou à l'intérieur de moi. Ah, j'ai vu un coffre. I have seen the coffre. Ah, putain mais l'arbre. Impression que je peux passer en fait non. Et en fait quand je regarde c'est assez logique. Il y a bien le gros tronc là. Il y en a qu'un seul. J'ai halluciné peut-être la dernière fois ou j'ai cru en voir plusieurs. Un peu comme dans Vampire Survivor, justement. Et ces coffres. Vraiment, ils ont pompé. Ils ont pompé les bonnes idées un peu de tout, de pas mal de jeux. Ils ont tout foutu au même endroit, mais c'est bien fait. Je trouve que c'est plutôt. Ouais, une attraction, pourquoi pas. 2 minutes 20. Ah, je sais pas ce que je fais. Je sais pas si. Non, on va rush les caisses. Tant pis pour l'XP, tout ça, on s'en fout. J'ai pas spécialement envie de la faire évoluer. Le katana est pas fou. Je le reprendrai quand on aura débloqué son évolution. Non, c'est quoi? C'est des balles. Des balles perforantes ou je sais pas quoi là. Balles supplémentaires. Où vous êtes? Là. Les caisses là. Et normalement, il devrait y avoir d'autres maps aussi. Peut-être qu'on peut d'ailleurs. Ce qui peut être sympa pour changer d'environnement, un minima. Peut-être de mobs aussi. Je sais pas. Ce sera toujours les mêmes. Tu caches derrière l'arbre ou quoi? Ah, dommage. C'était du soin. Pas si mal le soin. Mais. Et du coup, j'aime beaucoup le fait de pouvoir gérer un peu ces. Oula. D'avoir une gestion un peu de ces sorties. Et de pouvoir. De faire des runs de 10 minutes, de 5 minutes. D'une demi-heure si tu veux, si tu peux surtout, parce qu'à mon avis, genre là on va pas tenir 10 minutes. Tout le bordel qu'il y avait tout à l'heure, c'est mort hein. Touloute, touloute. Allez on touloute, touloute là, une minute pour touloute, touloute. Et après on sauve Gisèle. Et surtout les ressources. Mais non, on s'en fout de ça, on s'en fout de se soigner de... Alors du coup, à gauche y'a rien. Bon on s'en fout, hop là. Ah ils mettent 97 quand même. Non vas-y, on s'en fout. C'est dommage par contre que les mobs ils soient... Ils soient un peu rigides comme ça là. Ils ont les jambes là qui bougent de manière un peu robotique et... Ça, c'est... Autant il y a des animations sympas sur les zombies. Mais sur les persos, c'est un peu dégueulasse. On va pas se mentir, c'est dommage. Ouais, c'est pas très fluide, hein, alors que... Bon. Le reste, ils ont réussi... Ah, c'est là-bas. Allez, j'y vais, je me crasse. Je loot un peu au passage. Aïe. C'est bon. On part par brocouille comme ça. Un petit coffre là. Bon, attendez hein. Attendez-moi. Oh, je vais pas me barrer. Oula, 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 oula. j'évacue. Evacuation. Ok. Bon, mais c'est cool hein. Vraiment sympa. Le petit jeu, il est vraiment cool. On va... Je pense qu'on va arrêter là pour cette session là. On va voir. Ah, il y a la batte. On a débloqué la batte. Venir pendant 5 minutes en tant que bagarreur. Ok. On tiendra peut-être plus longtemps. Oh, la batte est débloquée. Mais non, mais il y aura toujours des trucs de plus. C'est là où il y a un petit côté gacha aussi.
Gratuit certes, mais enfin faut payer le jeu évidemment. 4,20€. 4,22€ exactement, et après il est à 5€. Sur Steam. Le QG. Ah oui, du coup, attendez, je voulais peut-être essayer d'augmenter ça là. Le désert infini. Ah, ça sera le test pour la prochaine fois. On fera un test sur le désert infini. Il y a quoi? 1, 2, 3. Après, c'est une early, donc à mon avis, ils vont augmenter la map. 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. 6 potentiellement. 6 lieux, ce serait pas mal. Grande forêt. Désert infini, noob. Pourquoi modificateur? Il y a des modificateurs. Bah, améliorer le portail permet d'accéder à encore plus d'endroits. Ok, c'est tout. C'est tout, c'est déjà bien, mais... Ok. Après, on peut peut-être améliorer l'arme aussi. Bah, elle va pas faire plus de dégâts, visiblement. Intelligence, c'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? En quoi notre katana est plus intelligent? C'est fou, ça. Centre-ville, ça va être Tandax. Ah, c'est possible, ouais. Son effet a l'air ouf à la batte. Ah bon? Tu vas voir, on peut recruter quelqu'un avec une batte. Ah oui, il y a Winston. Il y a Winston. Winston. Ouais, j'aurais préféré... Ah, elle fait quoi d'ailleurs? Alors attendez. Comment on fait pour savoir? Le bagarreur. Un combattant des rues a 20% de chance de dévier complètement les dégâts reçus. Ah bon? Inflige 10% de dégâts supplémentaires en se déplaçant. Ah bon? Ah oui, c'est pas mal ça. La bata est extra. Ah ouais, c'est vrai. Salut Tidea. Tu vas bien? Intel, ce serait pas les coups critiques? Ah, peut-être, peut-être. Maybe, maybe. Projectile. Bah non, mais il n'y a pas de... Non, je pense que tous les Attends. Ah mais c'est une arme à distance en fait. Peut-être je balance la balle et elle me revient peut-être, vu qu'elle semble un peu électronique. Parce qu'en effet, s'il y a des CC, le katana peut être dingo. Ah ouais, mais toutes les armes auraient des coups critiques, non? Bah peut-être pas, remarque. Ah, y a intelligence là-dessus? Bizarre. En vrai, chelouche. Arthur? Projectile. Non, mais c'est dans la... Attends, c'est dans l'amélioration. Intelligent. Ouais, mais ils disent pas ce que c'est. C'est dommage. Ah, c'est dommage. Peut-être qu'il y a un glossaire, un truc. Des composants. Crédit, retour. Ça, c'est les options, hein. Bon. Afficher les dégâts. Afficher les effets d'étourdissement, brûlure, oui, oui. Mieux qu'en arrière-plan. En gros, c'est une bombe que tu lances à la batte. Ah, d'accord, ok. Une petite grenade, là. À balancer. Ok. Mais pas mal, hein. Infirmerie, peut-être. Améliorer le QG. Ah non, toujours pas. Toujours pas. Tuer 1000 zombies en tant que barrière. Ok. Armure lourde de berserk. Et on a un cumul des dégâts. Bon, après ça... Peut-être avec... Franchement, le cumul de dégâts, ça marche bien avec un vétéran. Qui a de la régène. Quoique maintenant, on peut donner de la régène à tout le monde si on l'a. Atteindre le niveau 25 en raid en tant que vétéran. Le niveau 25. Un drone tué 40 000 zombies. On est sur 22 300 en une session. Je sais pas si ça compte ce qu'on a fait en... lors de la démo. Je crois pas, hein, visiblement pas. Ah, c'est ça, la munition supérieure. Tuer 300 000 zombies. Ah ouais, d'accord, ok. Donc pour pouvoir améliorer notre katana, c'est dans 1000 ans, quoi. Bah, 300 000, c'est beaucoup quand même, hein. Waouh, le pyro. On a un furteur ici. Un biotech. Et putain, il y a plein, hein. En vrai, Drain de force. Augmente l'efficacité des dégâts toxiques. Et il est vraiment très très complet. Tenir pendant 10 minutes en tant que biotech. Là, c'est la formule de prolongation pour augmenter les bouboules qui tournent autour de nous, là. Drone à grenade. C'est presque dommage qu'il montre... Oh, c'est pas grave, l'arbalète. Terminer le niveau en tant que furteur. Ok, tempête de feu, tenir 10 minutes en tant que pyro. Pyro. Ok, pas mal, hein, en vrai. Je sais pas combien il y a de... modules de choc. Ah, pas mal, ça aussi, je pense. Mission incendiaire. Je sais pas quoi, il y a de perso différent. Pardon. Ah. On a encore 1, 2, 3, 4.
Du coup, 5, 6, 7. Ça en fait 7 différents. 7 persos différents. Pas mal. En vrai, pas mal du tout. Ok. On pourrait augmenter ça. Armure 5. Oh, dis donc, ça augmente tout là, quoi. Dégâts physiques, dégâts de feu. Ouah, mais elle est craquée cette armure. Trop fort. C'est dommage qu'on puisse pas le filer l'armure à lui ou à elle. Bon. Bat plus grenade, c'est une tuerie. Ah, ok. Je vais te proposer un truc, c'est d'enlever l'affichage des dégâts plus tard, car ça devient invivable. D'accord, ok. C'est vrai que c'est pas forcément très intéressant. Ok. Oh, dis pas tout. Mais bon, on testera ça la prochaine fois. Je laisse un peu ça de côté. Quand on reviendra sur le jeu la semaine prochaine, on fera de quoi faire. Je vais acheter le jeu Fatal Zone. Tu as un code créateur ou autre à saisir qui te donnerait un avantage? Non, sur Steam non plus, mais je crois que ça n'existe pas sur Steam. C'est gentil, Ori. Influence Z. Bon, YouTube, c'était la découverte de la Early Access de Fatal Zone. C'est très cool, enfin, très sympa. Je pense qu'on va y rester un petit moment sur ce jeu. J'ai envie d'augmenter les trucs, de voir un peu comment ça se passe, de voir les trois zones et d'essayer d'aller un peu plus loin sur des... Le plus important sur ce jeu, c'est les mutations. Ah bon? Decision Survivor me font envie depuis trop longtemps là. Ah bah oui, c'est normal, enfin c'est normal en tout cas pour moi je comprends, j'adore ces genres de jeux. Et là il y a une proposition intéressante, je trouve, vraiment. On le savait déjà un peu sur la démo, mais voilà, ouais. Tellement complet qu'il me tente. Bah oui, hein. Oui. Les créateurs qui passent même pas, quoi. Je boycotte. Ah oui, non mais ils ont peut-être autre chose à foutre, hein, mais oui. Ils pourraient passer avec plaisir, on les accueillerait, tu sais. Bon, YouTube, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu du plaisir. Évidemment, on y retournera. Bon, pas cette semaine, après je suis en vacances, donc il n'y aura pas de session tout de suite. Comme je disais la dernière fois, tu auras des vidéos, pas de soucis. Et si tu auras ça en 2024, ça ne te concerne pas. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu as à peu près 3000 vidéos à regarder. On n'est pas loin des 1000, là. Des 1000 en 2 ans. On a fait 1000 vidéos en 2 ans. Bon, peut-être pas 3000 du coup, mais... Mais 2024, peut-être qu'on sera 1600. On sait plus, c'est fou. Bref, YouTube, je te fais des hiboux. J'espère que tu as apprécié l'aventure, la découverte et tout ça. N'hésite pas à mettre un abonnement avec la cloche si tu veux voir d'autres aventures, d'autres découvertes également. Je te fais un zibou, c'était Gabriel. Bye bye.